Bienvenue à La Haye. Nous sommes en Hollande et tu sais, Jamy, que cette ville est devenue la capitale de la justice internationale, car c'est ici que sont jugés les litiges entre les États, mais aussi la plupart des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Bref, ici, les tribunaux ne manquent pas. Le plus ancien de tous ces tribunaux a été créé en 1946 par les Nations Unies. C'est la Cour internationale de justice. Elle siège ici, dans ce palais, et elle a pour rôle de régler les conflits entre les États. Par exemple, des problèmes de frontières ou encore de non-respect de traités internationaux. Mais aujourd'hui, à La Haye, il y a aussi des tribunaux qui jugent des hommes qui ont commis des crimes de guerre, des génocides, enfin des actes épouvantables qui défient l'imagination. Derrière les murs de cette prison, ils sont actuellement des dizaines à attendre leur procès. C'est un quartier entier de la prison qui est dédié à la justice internationale. On y accueille les inculpés qui séjournent là le temps de leur procès. Ici, on a vu défiler du beau monde. Slobodan Milosevic, accusé d'avoir organisé la mort de centaines de milliers de personnes. Charles Taylor, soupçonné d'avoir encouragé une guerre civile meurtrière chez ses voisins en Sierra Leone. Les hommes qui sont ici font l'objet de chefs d'inculpation vraiment graves.